Les Nantais nous ont offert un véritable festival hier soir et pourtant ils faillirent bien encaisser un but d'entrée sur cette action de Maroc sur l'aile gauche, un tir de Rico qui est contré in extremis. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs du FCN se fâchent et voilà donc Adoncor parti à l'abordage, fauché irrégulièrement, ce qui vaut un coup franc et un avertissement au Brestois Gueye. Thierry Tussaud va se charger de tirer ce coup franc. Bernard ne peut que constater les dégâts. Nantes mène 1 à 0 après 3 minutes de jeu. Le second but du FCN, remarquable ouverture de Ali Logic pour Ayash, monté à droite. Un tir du jeune arrière-droit nantais sur la barre. Baron Kelly se heurte à Bernard et Ali Logic arrive à la rescousse. 2 à 0 et les Nantais ont eu de multiples occasions de corser l'addition avant le repos, offrant au public plus de 22 000 spectateurs, un véritable régal. Il fallut à Brest un Bernard en grande forme, comme ici devant Touré, pour éviter la catastrophe. C'est très agréable de se retrouver dans ce contexte-là. Depuis plusieurs années, on ne s'était pas retrouvé. Depuis 2-3 ans, on n'avait pas joué dans ces conditions-là. Sûrement que ça fait très plaisir. Alors, comment expliquez-vous ce retournement de situation, si l'on peut dire? Je crois que c'est un regain collectif de l'ensemble du club et des joueurs. Et je crois qu'on est reparti sur la bonne voie. On joue maintenant depuis 50 minutes et Tussaud va se retrouver dans les conditions idéales pour déborder à gauche. Le défenseur nantais a bien vu Muller. Le tir de ce dernier trouve le poteau. Ali Logic traîné encore par là. Deuxième but pour le Yougoslave. Content d'avoir marqué ces deux buts ce soir avec le FC Nantes ? Oui, très content. Bien, bon match, bonne équipe, plaisir pour les spectateurs. Par rapport à l'an dernier, tout va bien cette année ? Cette saison, bien pour moi, pour l'équipe aussi. Les Brestois réagissent par Bureau, un relais avec Maroc et Bertrand Demann est battu 3-1. Mais l'addition n'est pas encore réglée. Adoncor, encore lui, vient de donner à Amis son donne dans le classique. Centre au premier poteau, Baron Kelly est là, 4-1. Ali Logic, Picot et Baron Kelly, cette fois, c'est bien fini. 5-1, ce sera le score définitif en faveur du FC Nantes. Oui, j'avoue qu'on n'en espérait pas tant ce début de championnat. Ça confirme les bons matchs amicaux qu'on avait fait en début de saison et le bon résultat de Bordeaux. Et je pense que ce soir, il y a eu le résultat et la manière et que tout le monde est content. Alors le résultat et la manière, c'est le travail, c'est l'influence de Jean-Claude Sodo qui vous a apporté tout ça? Oui, c'est vrai qu'en entraînement, on travaille très bien avec le souci de faire le meilleur jeu collectif possible. Et ça a toujours été la force de Nantes de faire un bon jeu collectif.